après la radio, la télévision. Si elle a animé la matinale de RFM pendant des années, Élodie Gossuin a quitté la station en 2022. Elle a en effet décidé de se concentrer sur de nouveaux projets à la télévision. Au sein du groupe M6, l'épouse de Bertrand Lachery a été aux commandes de plusieurs émissions ces dernières années, Le Plus Grand Karaoké de France, Les 20 chansons de l'année préférées des Français ou encore Hitlist. Au cours d'une interview accordée à Télé Loisirs, parue en kiosque ce lundi 10 juillet, celle qui est maman de 4 enfants a évoqué un autre programme qu'elle aimerait beaucoup présenter. Si estime mon rêve de présenter le meilleur pâtissier. Je le dis depuis que je suis arrivé sur M6, a-t-elle confié à nos confrères. Cette émission réunit tout ce qui me parle, épicurisme, partage, spontanéité, émotion. A-t-elle fait savoir dans les pages de l'hebdomadaire? Mais alors pourquoi les téléspectateurs ne l'ont-ils jamais vu dans ce rendez-vous de M6? On ne me l'a pas proposé, a-t-elle déploré. Et Élodie Gossuin de souligner, si c'était le cas, je n'attendrais pas 2 secondes pour signer. À bon entendeur. Élodie Gossuin, cette date importante célébrée avec son mari Bertrand Lachery il y a 17 ans, Élodie Gossuin disait oui à l'amour de sa vie, Bertrand Lachery, au sein du château de Pierrefonds, près de Compiègne. Pour célébrer ce jour si spécial, celle qui a été élue Miss France 2001 lui a adressé un doux message le 1er juillet dernier. En légende d'une photo souvenir de leur mariage, l'animatrice télé de 42 ans a déclaré sa flamme à sa moitié, noce de rose. Déjà 17 ans. Si chanceuse que tu m'aimes encore. Hashtag la vie en rose love you et plus qu'il y a 17 ans, a-t-elle écrit sur le réseau social. Sur la photographie en question, on voit le couple se regarder dans les yeux, tout en se tenant la main. La jeune mariée porte une robe blanche, surmontée d'un imposant voile en tulle. De son côté, celui qui s'est fait connaître en 2003 lors de sa participation à l'émission de télé-réalité Opération Séduction aux Caraïbes de Harbor un costume 3 pièces couleur dragée, agrémenté d'une rose blanche au niveau du cœur. L'amour comme au premier jour. Crédit photo, best image. On your